Trésor, mémoire de radio, présente. Treceors, mémoire de radio, présente. Thirteenors, mémoire de radio, présente. Dreizehnors, mémoire de radio, présente. Bah alors, elle est hurlette. Eh ben alors, qu'est-ce qui roupille alors celui-là? Elle est hurlette. Bah réveille-toi, mon vieux. Allez, debout là-dedans. Allez, réveille-toi, c'est pas l'heure de dormir. V'là le laitier, tiens. Non, sans façon, j'en ai déjà repris 4 fois. Alors, quand il dort, celui-là, il repique autre chose. Dis, mais personne t'a crié bis. Elle, la hurlette. La hurlette, là, les flics. Où ça, c'est toi. Oh, bah dis donc. J'avais entendu, v'là les flics. Ah ouais, t'as le sommeil léger. Je rêvais que j'étais président de la République. Ah bah dis donc, tu tombais pas dans tes rêves. Ah oui. Mais comment ça se fait que tu dors à cette heure-ci? Bah, je sais pas. Je m'étais allongé, puis je me suis assoupi, quoi. Oh, t'appelles ça t'assoupir? Ah bah dis donc, quand tu dors vraiment, alors qu'est-ce que ça doit être? Moi, je croyais que t'avais la maladie du sommeil. Tu sais, je croyais que t'avais été piqué par la mouche, machin, là. Comment que tu l'appelles, la mouche? Tsé-tsé. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien, tu sais quelque chose? Bah non, c'est toi qui me dis tsé-tsé. Ah bah tsé-tsé, c'est le nom de la mouche qui donne la maladie du sommeil. Un mot de 3 lettres commençant par un T, moitié de mouche. V'là qui délire maintenant. Eh bah dis donc, ça te réussit pas de rêver que t'étais président de la République, toi. Ah, il était beau, mon rêve. Ah oui? Raconte. Alors, je partais de l'Élysée avec ma femme. Ah, parce que t'étais marié? Ah, ben oui, forcément. Avec moi? Ah non, non, j'étais marié, mais pas avec toi. Heureusement, d'ailleurs. Ben, c'est gentil de ta part, t'aurais pu penser à moi. Ah, mais dans un rêve, on fait pas ce qu'on veut. Alors, j'y étais pas, moi? Non, je t'ai pas vu. Ah, ben, tu sais, pour une fois que t'avais une belle situation, t'aurais pu au moins m'en faire profiter. C'était en rêve. Mais même en rêve, ça m'aurait fait plaisir d'être là. On peut jamais compter sur toi. Alors, raconte. Eh ben voilà. Mais... on quittait l'Élysée pour aller dîner à l'ambassade des États-Unis. Ah ben ça m'aurait bien étonné que t'aies pas tapé la tête quelque part, toi. Mais puisque c'était en rêve. Alors j'étais sur mon 31 avec le grand cordon. T'avais emmené le concierge? Non, le grand cordon de la Légion d'honneur. Il y a la femme de ménage qui vient me demander « Est-ce que monsieur le président prendra la voiture ?» La femme de ménage, ça devait être le valet de chambre. C'était la femme de ménage. Je le sais tout de même puisque j'y étais, moi. Bon, alors t'as pris la voiture? Non. J'ai dit, l'ambassade des États-Unis, c'est à 2 pas. On va y aller tranquillement à pied avec la bourgeoise. Ça nous fera une petite promenade apéritive. Alors, on ouvre la partie. Dans la rue, tout le monde me reconnaissait, me saluait. C'est la hurlette qui disait, la hurlette. Oh, mais j'y étais-t-il? Ah non, non, tu y étais pas, je te l'ai déjà dit. Alors, on arrive à l'ambassade, et des monsieur le président par-ci, monsieur le président par-là. Et puis, alors, on prend mon par-dessus pour le mettre au vestiaire. T'avais un par-dessus? À qui tu l'avais barboté? Je l'avais pas barboté. Dans mon rêve, j'avais un par-dessus. Alors on me le prend pour le mettre au vestiaire. Et puis on te donne un numéro. Ah non. Et ben quand on donne un vêtement au vestiaire, on donne toujours un numéro. Et ben pas là. Et ben et si on te l'avait pas rendu ton par-dessus, hein? Comment tu t'aurais fait pour le réclamer? Ben dans mon rêve, on donnait pas de numéro. Alors voilà l'ambassadeur qui s'avance, on s'en sert 5. C'est Boulotte qui me dit, ou quelque chose comme ça. Ah oh ben, c'est biche que je lui fais, moi. Et moi, j'y étais toujours pas. Non, 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 tu y étais pas, toi. Oh. Alors, on échange quelques banalités. Comment vont les enfants? Croyez-vous qu'on a eu un bel été? Souffrez-vous toujours de votre œil de perdrix? Puis au bout d'un moment, l'ambassadeur, il me dit, « Oh, vous n'êtes pas venu ici pour tenir la phrase. On va aller se taper un drink. » Oh, et j'y étais pas. Mais non, que je t'ai dit. Oh, j'ai pas de veine, quand même. Et c'était bon? Oh, et pas tant. Qu'est-ce qu'il y avait à manger? Ben, il y avait d'abord des ronds de saucisson. Mais alors, des ronds de saucisson, t'aurais dit des roues de tombereau. Oh, dis donc, j'y étais pas. Non, moi j'en ai mangé 4. Et l'ambassadeur, il me dit, encore un petit? Oh, j'ai fait non, merci. J'en suis à 4 roues. Le général 4 roues était là aussi? Non, j'en avais mangé déjà 4 roues.
Mais alors, l'ambassadeur, il me fait, mais il faut la roue de secours, allez, allez. Bah, tel que je te connais, t'as dû te laisser faire. Oh, bah, forcément, je pouvais pas refuser, ça aurait pu faire des complications diplomatiques. Ouais. Et j'y étais toujours pas. Donc, toujours pas. Oh. Alors, après, il y avait du bœuf gros sel. Oh, du... dans un dîner comme ça, du bœuf gros sel. C'est toi ou moi qui y étais, hein? Bon, alors. Ça m'étonne, en fait. Eh ben, il y avait du bœuf gros sel. Il était entrelardé, le bœuf gros sel? Ah oui, c'est tout ce qu'il y a d'entrelardé. Mmh. Puis alors après, il y avait de la gratinée avec de la gelée de groseille. De la gratinée avec de la gelée de groseille? Oh là là! Ah, oh, ben c'était un dîner américain, pas? Oh, et puis après la gratinée, le bœuf gros sel? Mais c'était un dîner américain, forcément. Alors. Mais alors, dans la soupe, il y avait du fromage. Ça filait, ça filait! Oh, t'en as de la veine! J'en ai repris 4 fois aussi. Et après? Ah ben c'est tout. Mais alors il n'y avait pas de dessert? Des tripes à la mode de Caen, quoi, quelque chose comme ça dans un dîner américain? Ben je sais pas, c'est là que tu m'as réveillé. Oh, et dire que j'y étais pas. Tu vois, j'ai jamais eu de chance dans la vie, moi. J'ai raté ça, dis donc. Ah, c'est dommage pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? On a comme ça des jours fastes. Des jours quoi? Des jours fastes, des bons jours, quoi. Eh ben pour moi, aujourd'hui, c'était un jour pile. Un jour pile? Ben oui, parce que tu me dis que les bons jours, c'est des jours fastes. Alors les mauvais jours, c'est forcément des jours pile. Faste, pas face. Oh oui, bah tu sais, pour moi aujourd'hui, ça n'a pas bien marché. Enfin, peut-être qu'un jour, ça viendra, que je gagnerai beaucoup d'argent. Tiens, je vais le demander. À qui que tu vas le demander? Je vais interroger le sort. Oh. Hein? Je gagne un peu, beaucoup, énormément. Ah, mais d'habitude, c'est avec une marguerite qu'on fait ça. Oh bah oui, mais moi, j'ai trouvé une chrysanthème, alors je le fais avec ça. Oui, bah, on n'a pas fini. Heureusement qu'il n'est pas gros. Il est pas gros, mais il est un peu fané. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas pour mettre sur ma cheminée, c'est pour les feuillets. Je gagne un peu, beaucoup, énormément. Bon, ben, en attendant que tu termines, je vais piquer un petit roupillon. Je vais essayer de retrouver mon rêve. Ben, je finirai plus tard. Dis, hey, qu'est-ce qu'on mange? Du bœuf gros sel. Que t'as rapporté de l'ambassade? Non, j'y pensais. On a de la blanquette de veau. Ça y est, du veau. Oh, du veau en blanquette, c'est plus du veau. Alors. Bah, du veau, même en blanquette, il s'est pas transformé en dinde quand même. Ah. Allez, envoyez la blanquette. Là, voilà. Puis il y a les deux portions là-dedans, hein. Oh, bah, dis, je l'espère bien. Alors, il faut me donner la mienne. Bah, tiens, non, toi, t'as été mangé à l'ambassade des États-Unis, alors t'as pas faim. Mais c'était en rêve. Oui, enfin, c'était en rêve. Ça a dû te faire le même effet. Oh, mais non, donne-moi ma portion. Dis donc, alors, ça t'apprendra à pas m'inviter quand tu vas faire des bons gueuletons. Mais puisque c'était en rêve. J'y étais-tu ou j'y étais-tu pas? Non, alors. Oh là 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 là. Tiens, effeuille le chrysanthème, ça t'occupera en attendant. Oh, dis donc, la sauce, elle est pas tellement blanche, hein. Ça, c'est la faute du bougnat. Comment t'achètes à manger chez le bougnat, maintenant? Non, mais il livrait le charbon chez le bistrot, alors. Il est tombé un peu de poussière dans ma gamelle. Ah oui? On remarque que ça fait rien, parce que le charbon, c'est bon pour l'estomac. Ah oh, ben alors, tout va bien. Donne-moi un peu, quoi. Mais non, toi, t'es gavé, alors, ça n'a pas faim. Oh, donne-moi un peu, quoi. Oh, ça croque. Ah oh, ben, c'est le charbon. Oh, dis donc, c'est pas mangeable. Tu m'as dit que le charbon, c'était bon pour l'estomac. Mais en poudre, pas en briquette. Oh, t'exagères tout de suite. On se tape une blanquette de gailletin, c'est gay, je te jure. Oh là là, tiens, je vais aller retrouver mon rêve, c'est tout ce qu'il y a à faire.